Et bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs 2. J'arrive plus. Pour l'épisode 7. Allez, c'est reparti. Prêt à tout déchirer? Ouais, monsieur. Eh, hey, au fait, pas mal ce que t'as fait à Junior. Ouais. Je crois qu'on aura bientôt mérité les vacances, ça te dit? J'ai toujours voulu nager avec des dauphins. Non, des raies! Des raies venimeuses. Oh, ce serait classe! Oh bah non, non, elles ont tué le mec, là, dans le film, là. Oh non, 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 non. Carton rouge direct, mon pote. T'as qu'un seul carton rouge, alors? Du coup, ça sera les dauphins. Non, Marcus, on peut pas leur faire confiance à eux non plus. Ah bon? Pourquoi? J'ai vu un documentaire. Un parc aquatique qui a foutu des caméras sur le dos des dauphins. Parce que la nuit, il y avait des meurtres. Eh ben, ça a pas loupé. Le film, c'était un putain de film d'horreur. Les dauphins, c'est des salopes. C'était pas des orques, plutôt? Non, mais orques, dauphins, c'est pareil. Ils ont des nageoires, ils font des bruits chelous, genre... la Hey les gars, ça se présente comment? Pour le moment, il y a carton rouge sur les raies et les orques. Mais les dauphins sont encore dans la course. Non, c'est mort. Je suis d'accord pour les raies. Elles ont tué Bourceau dans le film, là. Je suis perdu, là. De quoi vous parlez? On détermine les ajustements d'angle nécessaires à la transmission des données par les paraboles. Et je peux vous aider? Non, ça va. Restez ici. Je supporte pas les espaces clos et les uniformes pourris. Donc on va déjà envoyer le drone pour voir. Le drone. Putain, enculé. De portée. On va attendre. Caméra. Thank you.
parce que c'est aussi un truc. Voilà. Non, c'est pas le bon. C'est là. Putain, je peux pas. Josh. Ok, là. Faut descendre maintenant. C'est la même putain de glandu. Hop là.
nickel. J'imagine que t'as déjà sauté d'un avion, pas vrai? Mec, j'ai même crashé un avion. Et t'as déjà fait de l'escalade? Bah évidemment. T'as couru au milieu des taureaux? Ah non, non, t'es ouf ou quoi? Ah, je le savais! C'est quoi ton problème avec les animaux? Je les emmerde, les animaux! On est en guerre avec eux. Ils sont en train d'évoluer comme des bâtards pour nous remplacer dans la chaîne alimentaire. Moi, ils en savent sur nous, mieux ça ira. Quoi? Même les petits chiens? Surtout les petits chiens. Ils ont infiltré notre société, ces enculés. Ils nous mettent en scred et tout. Putain! Bon, bah on va t'offrir un chiot. Elle m'oblige pas à tabasser un chiot, Marcus. Je veux pas devenir un mec qui tabasse des chiots. Là, là, ok. Là, on a débloqué là. Là, il faut un autre ici. Là, là, oh là. Ah c'est... Ok, donc là j'en ai un. C'est celui qui est bon. Ouais, celui-là il est bon. Ah, celle-là. C'est ici. Voilà. Lui, j'ai dit que c'était bon. C'est bon, mais là... Là, il manque cela. Lui. Si on soit donc là, là comme ça, comme ça, on sort plus. Putain, oh merde. Ça là non on n'a plus. Putain ça me saoule ça. Oh non quand même. Oh lo. Trop compliqué ça. Donc là il me faut un autre qui part là, qui va là, là qui va là, donc. Ici. Là.
Et voilà. C'est bon ça. Ça devrait être bon. J'ai quelques petits détails et... Voilà. Parfait. Josh et moi, on arrive dans pas longtemps. Ramenez la Linus. C'est bon. Hey, hey, hey. Pas mal la vue. Ouais, je trouve aussi. Vol, petit nuage. Il n'y a plus qu'à s'asseoir et profiter du spectacle. T'es sûr que tu l'as bien configuré? Oh, ça va, ouais. Je te demande pas si t'as bien fait ton taf, moi. Si? Hé, hey, fermez-la, j'y suis. Avec le PDG de Home, qui nous a préparé une petite... Tu m'étonnes qu'il a une surprise pour... Tout à fait, Charlie. J'ai apporté notre tout dernier appareil et je suis heureux d'annoncer le lancement du Home 2.0. Ouais, cool. En appuyant sur un simple bouton... C'est le logo de DedSec. Oh, je suis désolée. Vous êtes trop fort. Éteignez. On a terminé, je n'ai plus rien à dire. Vous avez entendu? Citoyens de l'ère numérique, bienvenue. Home a cru pouvoir vous duper. La société vous a vendu un système pour votre foyer, garantissant votre intimité, votre sécurité et son utilité. Mais en réalité, Home vend vos habitudes. Vous avez souscrit un abonnement mensuel pour avoir le privilège d'être revendu au plus offrant. Il est temps d'ouvrir les yeux, de récupérer la valeur de votre existence. Si vous ne contrôlez pas ces informations, quelqu'un d'autre s'en chargera. Vous pouvez espérer que les multinationales vous traitent bien. Ou vous pouvez prendre le problème à bras-le-corps. DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Steven, t'as pris un sale coup, mon pote, ça arrive. Écoute-moi bien, espèce d'hypocrite. C'était pas très malin, Steven. On peut dire que t'enchaînes les conneries en ce moment. Assieds-toi. Mec, je t'ai donné tous les outils. Tous. Pour utiliser ces données proactivement. Et toi, tu chies dans la colle et en prime time en plus. Ils ont déjà dû mettre ton interview en ligne avec de l'autotune. Fous la paix à DedSec. Je vais m'occuper d'eux. Tout ce que t'as à faire, c'est envoyer une lettre d'excuse à mes avocats pour avoir levé la main sur moi. Ça va aller? Est-ce que ça va aller? Dis oui. Oui. Eh ben voilà. Je vais te chercher un verre d'eau. Nickel, voilà. On n'a pas de voiture, à chaque fois on repart à pied, c'est chiant. Si. Lunettes. Ah voilà. Point de recherche disponible 21. Oh bah tiens, on va faire ça un peu. Perturbation, voilà ça.
si on a trouvé la commande. Le collège. Ça aussi. Après, ça c'est quoi? Ça, ça peut être cool aussi. Ça c'est bon. Faut que tu viennes tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon, dépêche-toi. Hé Marcus. Un follower a récupéré un email, ça vient chez Home. Et ça vaut le détour mon pote. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que je... Bah... Je pense que on va aller en ville. Tac tac. Les gars, j'ai une piste sur un pédophile potentiel qui bosse pour Home. Oh putain de merde. Big Brother, c'est un gros pédophile. Et ben voilà pourquoi on voulait s'intéresser à Home. Bon, alors c'est qui ce mec? Cole, machin truc, j'ai pas son nom de famille. On a sûrement la liste des employés de chez Home quelque part. Alors... Ah, Cole Lane. Ouais, c'est bien, on va rassembler les preuves et voir le genre de personne qu'Home cherche à protéger. On va essayer de lui couper la route. Vas-y, sors de là. Tac, on va voir. Voilà, maintenant on descend tout. Oups. Bon, on va descendre comme ça encore plus vite. Hein. Et hop là. Marcus, ça t'inspire quoi toi, le système Home? Un City OS en puissance. Donc, tu serais pas surpris d'apprendre qu'ils sont en partenariat avec Bloom? Vu ce qu'on vient de leur faire, non. Mais j'imagine que le partenariat vient de prendre fin. Il consistait en quoi? Le logiciel de Home est basé sur le code du CityOS. Les données qu'ils récoltent sont vendues à vous. Et on croit rien, bien sûr. On dirait qu'on s'est pointé pile au bon moment. Donc voilà, bon, on n'aura pas le temps pour faire une autre mission, mais c'est pas grave. Donc j'espère que vous avez plu, on se retrouvera... Bah, n'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter, si vous n'êtes pas encore à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!